m'appelle Anissa, j'ai 36 ans et je fais partie de la délégation Corse du Sud, là pour ce congrès. Je suis adhérente depuis finalement pas si longtemps que ça, parce que j'ai eu pas mal d'engagements, notamment associatifs, avant. Et du coup, ce qui a repoussé un peu mon adhésion. Mais je me dis que j'ai eu un peu tort parce que j'ai rencontré. Enfin, c'est un vrai espace de débat, de rencontre qui est riche. Je travaille dans une association d'éducation populaire et qui fait de l'éducation à l'environnement en particulier. Et je milite et je défends bec et ongle ce travail et cette posture. C'est une posture militante, l'éducation populaire, parce que je trouve que c'est une clé. Et c'est donner les clés aux gens pour qu'ils comprennent le monde tel qu'il est actuellement. Et pour c'est une éducation au choix, en fait. Et le choix, à mon avis, devient de plus en plus compliqué. Enfin, ça devient un luxe d'avoir le choix. Et voilà, j'entends ouvrir les consciences et voir avec les gens, justement, comment est-ce qu'on pourrait faire avancer les choses. Je vais d'abord dire aussi que je suis fière d'être à ce congrès-là, c'est mon premier congrès. Et je suis fière finalement que mes camarades de Corse du Sud m'aient accordé la confiance et m'y aient conduit. Donc ça, c'est chouette. Ce que j'en attendais au départ, c'était effectivement travailler sur un texte sur lequel on a beaucoup bossé avec les camarades. Et du coup, participer à la finalisation de ce projet et de cette ligne directrice qui va nous guider un petit moment. Et le truc, c'est qu'aussi, dans mon cartable, je vais repartir avec donc ce projet, mais aussi beaucoup d'idées, des rencontres, des débats, des choses qui vont me rester en tête et qui, là, vont me gonfler à bloc là, pour revenir et pour militer de façon un peu plus active ou un peu plus ordonnée.